Ça, vous êtes bien salé au premier rang. Comme ta langue est pas au premier rang. C'est ton mari qui a pris la place pour le premier rang. C'est ton chéri. Il savait, il savait. Comment tu t'appelles? Je lui ai dit avant de venir. Elle t'a pas cru. Elle a dégusté. Mais c'est ça, c'est ça. Premier rang, il faut être. Bon, on va commencer par le chauve, hein, frérot. C'est un front, c'est un écran placement. Je te jure. Tu vas aller en Turquie. Comment tu t'appelles? Michel. Michel, tu fais quoi dans la vie? Je suis commerçant. Commerçant. Dans quoi? Dans les souvenirs. Dans les souvenirs. Oui. Il se gare, hein, avec une pile soude, oui, là, c'est ça. 40 euros. Oui. C'est la citadelle. Laquelle, je ne sais pas. Mais c'est... Alors faites des enculeries, vous l'étiez, c'est magnifique. Et va payer les cheveux avec les cartes postales. Qu'est-ce que tu fous ici? Tu viens avec qui, Michel? Avec madame, comment s'appelle madame? Jo, ça va Jo? Il fait les sous l'été. Hein. Elle a acheté des places au premier rang, ça se voit qu'elle était bien. Hein. Jo, tu fais quoi dans la vie? Je m'occupe des quartiers. Tu t'occupes des quartiers? Je m'occupe des cartes postales, c'est bon. Mais ça fait plaisir. On va passer un bon moment, les premiers rangs, vous êtes au courant que je suis obligé de m'occuper de vous. Tu sais que je reçois des messages, des gens qui viennent au premier rang me disent « Ouais, j'étais là !» Tu m'as pas insulté. Mais je réponds, niquez vos mères. Mais je vous jure que c'est vrai. Bonjour monsieur, ça va? Vous appelez comment? Ça va Dédé? T'es le plus vieux du premier rang. Je vais te surveiller toutes les minutes pour voir si tu meurs pas pendant mon spectacle. Je sais pas si on a l'assurance. Je le vois là, Dédé. 120 ans le premier rang, comme ça. Aucune réaction. Je sais pas s'il est en cire, s'il est sorti du musée de Bébin. Je sais pas de qui l'a ramené, c'est le père de qui, c'est qui. T'es venu avec qui Dédé? Avec tes enfants? Dédé. C'est qui? Dédé. Dédé. Je ne connais pas, madame. Tout le monde le connaît? Oui. C'est plus connu que moi. Je vais te faire la peau, Dédé, aujourd'hui. Ils n'ont pas réussi à te tuer, moi je vais réussir. Tu fais quoi dans la vie, Dédé? Je travaille dans un IME. Dans un IME? C'est... Ah, tu t'occupes des handicapés? Non, je conduis. Tu conduis les handicapés? T'as dû conduire beaucoup de gens ici. Ça se voit. Ferme ta gueule, madame, ferme ta gueule. Elle a démarré le show, elle a cru que c'était son spectacle. Ils ne connaissent pas. T'es connu, hein? Donc tu t'occupes de toutes les personnes. Ben, on l'applaudit très fort, Dédé, vraiment. C'est peut-être son dernier spectacle. Vu son âge, mais ça fait plaisir, Dédé. T'as quel âge, Dédé? 59, ça va, t'es jeune. Mais bien, mais tu fais plus. T'as travaillé dur. On va t'envoyer avec Michel, vous allez en Turquie pour les cheveux et se faire tirer un peu le visage parce que t'es fripé. Non, on va te faire un truc. C'est bien, c'est ta chérie? Non. C'est qui? C'est la femme du monsieur là-bas. C'est la femme du monsieur là-bas. La femme du monsieur, ils sont en dispute. Hein. C'est de l'autre côté. C'est la femme de qui? Le mec de sécu, il a mis ça. Il y a qu'un corps, tu vois ça. Tu crois que le mec, il travaille? Non, je serai ma femme. Elle est au premier rang. Oh, oui. Bébé, s'il te plaît, tu fais un plaisir. Tu vas te mettre un peu là-bas, lui, regarde ce que t'as avec sa femme. Juste 5 minutes. 5 minutes, Dédé. Vas-y, viens, assieds-toi. Tu t'appelles comment, sécurité? Thierry. Thierry, oui. Ça va? T'as vu, il a caressé la main direct. Dédé, il ne passe, c'est comme si c'était pas sa femme, c'est comme ça. Il se caressait sa propre caisse. Ouais, Dédé. Viagra, hein? Thierry, sécurité ici. C'est ça. Donc, et tu viens voir un spectacle? Mais oui, après, tu dois m'escorter. Pour quoi faire? Ah, pour faire la photo avec les gens? Bah vous annoncez que ce soir, je sors faire la photo avec tout le monde. Voilà. Ben voilà. Et on fera aussi la photo avec Dédé.
Ça va, Dédé? Tu me dis si tu as envie de faire pipi ou si tu as mal au dos. T'es bien. Ouais, c'est vraiment du sympa, c'est ce qui est allé. Alors, applaudissez très fort, Thierry. On a été où Baguera. Notre petite panthère, elle a rien demandé. Je vois que toi. La savane, je te jure, j'ai envie d'aller chercher un fusil, te tirer dessus. Je vais moitié-moitié avec lui. Elle s'est dit, putain, il n'y a que moi, il voit que moi, je suis. T'as senti? T'as cherché? Ben oui. Il t'a dit, le pantalon, comme ça, il te l'a dit. Les chaussures, guépard, j'ai tout vu, c'est vrai. T'as pas vu, mais ce soir, elle te fait le plaisir, la culotte aussi, guépard. La culotte tigre. Ben oui, le tigre, c'est le gros chat. Ben oui, ben. Eh ouais, vous entendez des perches. Dédé est encore sur l'anglais. Alors, ça veut dire premier. Moi, c'est un bon moment, Dédé. On est bien. Hein. J'ai envie de prolonger, je te jure. J'étais venu pour une nuit, j'ai envie de rester une semaine. Comment ça? On remet ça. Demain? C'est une blague, Dédé. Je pars demain, je reste pas. Moi, je vais chercher une place, vous revenez. Tu bosses demain, Dédé? Non, je suis en vacances. Tu es en vacances? Ah oui, vacances scolaires. Ah oui, pendant l'école, ok. Tu récupères les petits, tu les ramènes à l'école. Super, Dédé, t'es un super héros, en fait, Dédé. Mais ça fait plaisir. Moi, je suis content de te rencontrer, Dédé. On ira manger ensemble, après. Si tu veux. Tu veux? On va manger où? Il y a quoi? Ouf. Je sais pas qu'ils font encore une spécialité. Ouf. Du chien, ça? Ouf. Il y a tout. Mais il ferme pas tôt. Bon, on va trouver un bon truc. Tu connais du monde? Non, c'est le monde qui te connaît, bébé. C'est ça. Toi, tu crois que tu connais du monde, mais c'est eux qui te connaissent. C'est... Il va aller. Ouais, il va. Non, mais Dédé, c'est la star de la nuit. On t'a dit ferme ta gueule, toi. Qu'est-ce que ça m'a compris? Ferme ta gueule. Qu'est-ce que ça m'a compris? On dirait que Dédé, tu es James Panacoc, tu as ta main dans son cul et tu l'as fait parler. Jean-Marc, tu vas fermer ta gueule. Jean-Marc, c'est pas un prénom corse. Marcours. Vous avez mixé des prénoms avec des noms d'animaux. Elle doit s'appeler Marie Guépard, normalement. Très beau rire, monsieur. Il bug, le bâtard, il bug. Elle a fait des sous cet été, monsieur. Hein. C'est bien, hein. Il rentre à la maison, il compte les sous. Pochito de l'aimé. Allez, Jo, je t'amène à Mourtoli. Après ce mois, on va prendre de lui. C'est bien Murtoli, hein. Putain, qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique. Je voulais tous vous inviter à Murtoli, mais j'ai pas assez d'argent. Ah putain, il faut que j'en fasse des spectacles, hein.